Euh, voilà, donc une autre question. Alors, euh, où va l'âme après la mort On sait que le corps retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Après, pour l'âme, ça c'est un point d'interrogation. Alors, très bonne question. Et euh, je vais répondre par, euh, je vais répondre en disant, euh, ça dépend de ce qu'on entend par âme. Et euh, les Écritures donnent plusieurs définitions par rapport à l'âme. On nous dit dans Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. D'accord? Donc, euh, et pourtant, en même temps, nous voyons dans les Écritures des personnes qui sont décédées, dont il est, là on parle d'elles en disant on, leurs âmes crier au Seigneur. Donc, euh, en fait, c'est comme si y a une contradiction, or il n'y en a pas, parce que les Écritures ne se contradisent pas. En fait, c'est l'interprétation. Il faut voir le contexte, les contextes à chaque fois. Maintenant, ici, l'âme, parfois dans les Écritures, représente l'homme. L'homme charnel, c'est-à-dire le corps humain, l'homme tout simplement dans son entièreté, l'homme en tant qu'homme, en tant qu'humain, en tant qu'être humain qui peut mourir. Voilà. Et parfois, quand on parle de l'âme dans les Écritures, on fait allusion, les, les auteurs ont fait allusion à la partie immatérielle, à la partie spirituelle, c'est-à-dire à, à l'esprit. D'accord. Voilà. Et parfois, euh, ils vont parler de l'âme. En parlant simplement du sang, le sang, comme dans Lévitique 17, où Dieu dit l'âme c'est le sang, le sang c'est l'âme. Voilà. Et dans ce cas-là, quand une personne physique meurt, eh ben son sang aussi euh, meurt automatiquement. Et euh, maintenant, allons voir dans Apocalypse chapitre euh, 6, je crois, le verset euh, 9. Et quand il eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils qu avaient rendu. Et elles criaient à haute voix, disant, jusqu'à quand, Seigneur, qui est saint et véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang de ceux qui habitent sur la terre? Et il leur fut donné à chacun des robes blanches, il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux soit complet. Donc là, on nous dit que c'est des âmes qui ont été tuées. Mmh. Pourtant, ces personnes continuent à s'exprimer, mmh. à parler. Mmh. Donc, euh, et, euh, et euh, voilà.